J'ai oublié. Combien j'ai aimé ce livre tissé d'amnésie. Une femme, Bulle Ogier, raconte sa vie. Sa vie ne ressemble pas à la mienne. Et pourtant, chaque chapitre, qui commence par « J'ai oublié », me conforte dans mes oublis, qui à mon insu me font grand bien. Bulle Ogier est une grande actrice, même si elle est un peu oubliée. Sa blondeur, sa vivacité, tout me touchait en elle. Avec cette photo de couverture, elle semble flottante, un peu comme ce monde perdu, où chacun de nous a joué ses propres amnésies. Pourtant, il y a une phrase de Bulle Ogier que je n'oublie pas, même longtemps après avoir fermé le livre, que probablement je n'oublierai jamais. Cette phrase dit « Ce n'est pas vrai qu'on sort de la douleur, on la dissimule simplement mieux, ce qui exige un effort permanent ». Pascal, sa fille, est morte, et Bulle, qui aime ses étagères où trois générations de femmes se côtoient dans des cartons, habits, photos, sa mère, elle et Pascal, n'a pas oublié ce dernier carton, si plein et si vide depuis. Un enchantement que ce livre, des noms traversent, des lieux traversent, nous les avons connus, nous les avons parfois déjà oubliés. Voilà un livre de grâce porté par la grâce, écrit l'éditeur. Ce livre a reçu le prix Médicis Essai. Il est publié chez Seuil et est écrit avec Anne Diatkine. J'ai oublié de Bulle Ogier est un livre qui m'a énormément touchée.